tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouveau vlog. Du coup, là en ce moment on est à Montréal. On vient de terminer, enfin de faire la première coupe du monde de l'année. Enfin Mont-Tremblant, où je gagne. Donc je vais savoir, c'est ma... Oh il est pénible ce truc. On va leur dire que maintenant, ouais, je viens de gagner donc ma quatrième coupe du monde de la saison. C'est trop bien. Et puis bah là voilà, on est à Montréal, on récupère quelques jours et on va partir pour Calgary pour du coup la cinquième coupe du monde de la saison à Calgary au Canada. Parti. Ça, c'est l'outil de torture, la cacahuète. Torture ? Ouais. Ouais, il fait mal, hein. Pour masser le dos, c'est trop bien. En ski de boss, on passe notre vie à avoir des courbatures. On s'entraîne tout le temps. On s'entraîne à Châtel juste avant de partir. Et on avait des courbatures à Mont-Tremblant. Vous allez comprendre pourquoi. On avait fait du ski 5 jours avant. C'est la vie. Donc, bah ouais. On essaye de récupérer au mieux. Faire un peu de sport. Mobiliser un peu tout le corps. Parce qu'on a quand même dimanche, lundi, mardi... Mercredi, on a 4 jours avant de skier à Calgary. Donc on continue de quand même mobiliser un peu le body. Histoire de rester shape. Alors, elle est bien cette piste. Oh, elle est physique. Un but. Ah, carrément. Ouais. Allez, Nico. Allez, Nico. Bon, bah voilà, ça y est, les entraînements sont finis. Enfin, pour moi, on a eu 2 jours. Là, c'est l'heure de la qualif des garçons. T'es chaud, Nick? Non, t'es pas chaud? Bon, il est pas chaud apparemment. Du coup, bah. Good luck to you. Thanks. Et moi je vais aller me reposer, faire ma récup, et voilà, les mecs vont faire leur qualif aujourd'hui et leur finale demain. C'est comme ça à Calgary depuis quelques années. Mais voilà, c'était un peu dur quand même les entraînements. Je galérais avec mon discipline en haut, j'ai beaucoup galéré jusqu'à Mont-Tremblant juste avant. On verra ce que ça donne demain. Three, two, one.
s'arrête jamais, à peine le temps de savourer ses victoires. Elle est déjà au départ, Perrine Lafont, 4 victoires en 4 courses, lancée dans le plus beau début de saison de sa carrière. Difficile de reproduire l'exceptionnel. Et pourtant, ouais, c'est à l'image d'un Kingsbury. Voilà, la réception parfaite. C'est ce qui lui avait manqué sur le premier run, d'où sa quatrième place. Elle avait manqué d'être très très propre comme c'est le cas là. Grosse mise en action, ça enroule bien. Perrine, elle est, c'est un métronome hein, aussi au niveau du ski. Ça bouge pas, elle se désunit jamais. Pas d'erreur, la régularité, cross et l'amplitude. C'est parfait. Le temps va être bien meilleur que ses adversaires. La vitesse aussi. Et très clairement, on peut assister à une nouvelle victoire. La cinquième en cinq courses. Elle est soulagée. Perrine, une semaine après Mont-Tremblant. C'est peut-être ici à Calgary qu'elle va venir chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Alors on va le voir. Hein. Le Cork 7, elle a une réception bien meilleure que sur son premier run. Tout à l'heure, on l'avait vu un petit peu s'asseoir. Et puis un deuxième saut encore avec une belle amplitude. Un temps au niveau de la vitesse. Pour l'instant, c'est la plus rapide. Donc voilà, elle a tout, elle a les critères de A jusqu'à Z. Elle a la technique de ski, c'est la plus propre. Elle a les sauts qu'elle maîtrise avec la difficulté technique du Cork 7 et l'amplitude. Et la vitesse, elle est là aussi, c'est la plus rapide. Donc normalement, ça devrait venir prendre la tête. 81 ouais. Points pour Perrine Lafont qui prend la tête ici à Calgary. Quelle carrière qui se dessine course après course. C'est une vraie boulimie de victoire. De la France, from France, let's congratulate Perrine Lafont. Oui, en super finale, yeah, et bah, ça s'est bien passé. J'ai eu un peu de problème avec mon premier saut sur les qualifs. Ouais. Et en finale, j'ai corrigé ça. Je suis heureuse que j'ai réussi en super finale à rendre mon run beaucoup plus propre et à tout cleaner jusqu'en bas. Not what I wanted. So yeah, when I was at the super final, at the top, I tell myself, okay, Gabe, just everything that you have. J'étais pas très content après les qualifications. Have no regrets. Ouais, and maintenant, il faut que tu clean tout, il faut que tu aies aucun regret et que tu sois heureux de ton run et voilà. Season, so yeah, et maintenant, je gagne et je peux être que contente.